Partage d'expérience avec les jeunes entrepreneurs, c'est l'objectif principal du 38e numéro de la plateforme d'échange Jeudi J'ose, tenu ce jeudi à Lomé. Initiée par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAIEJ, cette rencontre a permis aux jeunes entrepreneurs accompagnés par le FAIEJ et ceux aspirant à entreprendre de découvrir de leurs seniors les clés de réussite entrepreneuriale. D'abord, nous sommes partis du FAIEJ. Moi, j'ai été lauréat d'un concours du FAIEJ en 2015. Et à partir de ce concours de FAIEJ que j'avais été primé, j'ai mis en place une entreprise de recyclage des déchets. J'ai bénéficié aussi de plusieurs autres appuis, notamment l'appui du PNUD, l'appui de l'ambassade de France, l'appui de l'ambassade des États-Unis, etc. À partir de l'engagement et de la détermination que nous avons mis dans le travail pour lequel nous étions sélectionnés. Nous invitons les jeunes à d'abord faire confiance en eux. Ça, c'est la première des choses. À faire confiance aux institutions qu'on a mises en place pour accompagner ces jeunes-là et à se mettre au travail dans une dynamique de réussite. Et à partir de là, tout le monde peut s'en sortir. Ces secrets réconfortent les jeunes ayant participé à cette rencontre d'échange qui croient pouvoir s'inspirer des conseils pour parfaire leur parcours d'entrepreneur. Au cours de cette séance d'échange, j'ai beaucoup appris. Ce sont nos aînés. Demain, nous serons appelés aussi à venir échanger nos expériences avec nos petits frères. Donc, je suis venu voir comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver, pour mieux me préparer. Et je suis ici aujourd'hui pour apprendre et je crois que mes attentes ont été atteintes. Monsieur Tanko Timothy nous a vraiment éclairé, nous a montré comment est-ce qu'il a commencé à partir de zéro fond. Et il a vendu les papiers mouchoirs, vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Pour rappel, le FAIEJ se présente comme un dispositif intégré d'appui technique et financier mis en place par le gouvernement togolais avec pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et faciliter l'accès au financement des jeunes porteurs de micro-projets.